Vous avez rédigé, avec un comité de soutien, un dossier dont je montrerai les indications tout à l'heure, un dossier qui attire l'attention sur plusieurs cas de journalistes, d'historiens, d'intellectuels qui sont en prison ou harcelés. On va peut-être prendre directement un exemple avec Matti Mongip que je montre à l'écran. C'est un historien qui a donc fondé l'association marocaine de journalisme d'investigation et une association qui s'appelle Freedom Now pour la presse. On lui a fait quoi? Alors, Matti Mongib, en fait, c'est le, j'allais dire, c'est le début d'une nouvelle vague répressive qui a démarré après les soulèvements de 2011 et qui a très clairement ciblé d'un côté la presse et de l'autre côté les blogueurs. En fait, tout ce qui était ce qui permettait une prise des prises de position libres et indépendantes. Et Matti Mongib, qui est au départ un universitaire, un historien effectivement, a joué un rôle important au Maroc, très important, je dirais même, dans le soutien au journalisme d'investigation. Et donc, il a créé plusieurs organisations, dont le Centre Ibn Rushd, ou Averroès en français, qui avait entre autres comme mission de faire des formations pour les journalistes afin de leur permettre de mieux accomplir leur travail. Il a été parmi les fondateurs de l'Association marocaine des journalistes d'investigation, donc qui était quelque chose d'un peu nouveau à ce moment-là, et qui a été tout de suite dans le collimateur. Et puis il a également créé une autre association, Freedom Now, pour défendre les journalistes qui étaient victimes de répression et qui est une association qui n'a jamais été reconnue par le pouvoir marocain. Donc en fait, son rôle au niveau du. Bon, lui-même a écrit, il a participé à pas mal d'organes de presse également en tant qu'auteur et en tant que journaliste, mais ça, fondamentalement au départ, il était plutôt universitaire, prof de fac, historien. Mais donc, en fait, les déboires, disons, de Matti Mongib ont commencé quelques années après 2011, donc après ces grandes manifestations qu'on a vues dans les rues de toutes les villes du Maroc. Et donc, le pouvoir s'en est pris d'abord à l'Association marocaine des journalistes d'investigation. Donc, ça, c'était la première source à faire taire. Et Matti Mongib a été l'un des personnes poursuivies, mais en fait, ce sont six journalistes qui ont été poursuivis, dont deux qui sont maintenant en exil à Paris. Et donc Matti Mongib également. Donc c'était vraiment clairement s'attaquer à cette forme-là de Poursuivi journalisme. pourquoi et qu'est-ce qui lui est arrivé avec le pouvoir? Alors au départ, il était poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, enfin j'allais dire presque les accusations classiques quand on fait un procès politique. Et donc ça a commencé par ça. Mais déjà, un des journalistes qui a été aussi impliqué dans ces procès a été également accusé de. Le mot va me venir, excusez-moi, Pas de souci. d'adultère. Donc, on a commencé déjà à voir poindre une série de procès qui vont se multiplier par la suite, où les chefs d'inculpation ne sont plus des chefs d'inculpation liés à l'expression, enfin, un délit de presse ou un délit politique, mais qui sont des chefs d'inculpation de droit commun et très souvent d'ordre sexuel parce que le pouvoir se manipule et instrumentalise en particulier les luttes des femmes. Et donc, il a jugé que ce type d'accusation allait permettre que les gens n'allaient pas soutenir les coupables.
enfin les présumés, les soi-disant coupables. Et donc ça a fait Hicham Mansouri, pour ne pas le nommer, qui est aujourd'hui exilé à Paris, a étreigné un petit peu ce genre d'accusation avec une accusation d'adultère, mais il a fait 10 mois de prison avant de partir du pays. Et donc pour Maté Moudjib, au départ, c'était effectivement des accusations, j'allais dire, politiques, clairement politiques. Mais ensuite, il y a eu un deuxième procès qui s'est enclenché sur le premier, plus récemment, ça fait un an et demi, et dans lequel, là, il est accusé de blanchiment d'argent. Alors, quand on voit dans quel dénouement il est actuellement, ça fait un peu rigoler, surtout qu'on voit à quel point les riches marocains remplissent les caisses des paradis fiscaux. Ça veut dire que ceux qui l'accusent ont un million de fois plus que lui. Mais bon, lui, on l'a accusé de blanchiment d'argent, et donc là aussi, un délit de droit commun pour... Et alors, il a... quel est le procès enclenché à partir... Pardon. Une question. Quelle est sa situation maintenant? Il a été en prison. J'ai reçu une photo qu'il a fait une grève de la faim. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? En fait, bon, ce procès-là était un procès à rebondissement. Je crois qu'il y a eu une vingtaine de séances, ou de séance en séance, il était toujours reporté. Et en fait, c'est un procès qui s'est terminé, mais qui n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le procès n'a vraiment démarré. Il n'y a jamais eu de plaidoirie, il ne s'est rien passé. Mais alors que Maté Moudjib était en prison pour ce chef d'inculpation de blanchiment d'argent, le tribunal s'est réuni et a prononcé le verdict. Ah oui. Voilà. Et donc, il y a eu un verdict prononcé. Alors, attendez, excusez-moi, mais j'ai oublié les peines. Mais donc, il a été condamné à quelques mois de... je ne sais plus. Oh là là. La mémoire me... À quelques mois de prison. J'ai une mémoire très défaillante. Je suis vraiment désolé. Pas de souci. À un an de prison ferme, ah, voilà. Il a été condamné à un an de prison ferme. Et il a effectué cette... Et il n'a pas effectué cette peine parce qu'il a fait appel. Mm-hmm. Donc l'appel est suspensif, mais il était en prison à ce moment-là pour l'accusation de blanchiment d'argent. Et il n'a pas été présenté au tribunal, et le tribunal a considéré qu'il le jugeait par contumace, alors qu'il était en prison et qu'il suffisait au gardien de la prison de l'amener... Enfin, il était même au tribunal en train d'être écouté sur le deuxième procès. Donc c'est vraiment... Donc en fait, il n'y avait pas du tout de contumace... Donc c'est lui qui a été jugé le plus lourdement, mais bon, d'autres co-accusés donc ont également écopé de quelques mois de prison. Et donc maintenant il est en liberté. Alors ce qui s'est passé, c'est que alors qu'il était en prison, il a fait une grève de la faim qui a suscité à la fois une énorme solidarité internationale et nationale. Mais qui a aussi provoqué chez lui, parce que c'est quelqu'un qui est dans un très mauvais état de santé, il a du diabète, il a des problèmes cardiaques, en fait, etc. Et en fait, il s'est retrouvé à l'article de la mort très rapidement, au bout de 20 jours de grève. Et finalement, à ce moment-là, le pouvoir a lâché et lui a permis de sortir, mais il est en liberté provisoire. Le régime a quand même peur de l'opinion ? On ne sait jamais. En fait, on ne sait jamais. En tout cas, là, ça a joué de toute évidence. Mmh. Là, ça a joué, mais je pense que ce qui a joué beaucoup aussi, c'est le fait qu'il risquait d'y passer et que donc un mort en prison aurait fait quand même très mauvais effet, je pense. Et donc, il a été mis en liberté provisoire, mais il est interdit de sortir du territoire. Ce qui est très gênant pour lui à plusieurs niveaux. D'abord parce que sa famille habite en France, donc il ne peut plus voir sa famille. Parce qu'il est invité régulièrement à des colloques universitaires, à des séminaires, etc., auxquels il ne peut plus participer. Et aussi parce qu'il est suivi depuis très longtemps par un cardiologue montpelliérain et que donc il ne peut plus... Donc il faudrait vraiment qu'il y ait des appels et des pressions pour qu'on lui... laisse la liberté de voir sa famille et de se faire soigner correctement. Absolument, absolument. Et puis en même temps, maintenant au Maroc, il est victime de harcèlement perpétuel. C'est-à-dire qu'il a perdu son travail, on lui a gelé ses comptes,
il n'a plus le droit de faire aucune transaction commerciale, il ne peut même pas vendre sa voiture. il est écouté, il est suivi, il est, enfin bon, c'est un harcèlement quotidien, de, j'allais dire, de tous voilà, les instants. Voilà, donc on doit quand même dire qu'on et... parle de gens très très courageux qui affrontent la répression et qui ne se laissent pas intimider et qui se mettent en danger pour ça.